Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va pas perdre plus de temps, vous l'avez vu dans le titre, achat manga du mois de février, c'est parti. Et on commence directement avec les sorties du mois. La première dont je voulais vous parler, c'est My Hero Academia tome 38. Je suis à jour sur la machin, ça y est, ce tome là était incroyable, on n'a pas trop vu des coups cela dit, mais c'est pas plus grave parce qu'on a pu voir plus de personnages annexes on va dire, notamment Fumikage, j'en dis pas plus, mais une planche de zinzin se cache dans ce tome. Donc voilà, avec on a également eu 3, hop, à la médaille des 20 ans de Kiyun. Alors je sais pas si vous la verrez bien, je vous la montre un peu plus près. Voilà, très sympathique, avec derrière aussi Izuku. Donc voilà, ça c'est fait partie des médailles qu'on va avoir tout au long de l'année pour les 20 ans de Kiyun. 20 ou 10, 10, 20, je sais plus, merde. 20 ans il me semble, peut-être que c'est 10. Autant pour moi si je me trompe. Dans tous les cas, on doit avoir 6 médailles au total. Donc la première, c'était My Hero Academia. Au mois d'avril, si je ne dis pas de bêtises, on doit avoir un Fry Run. Avec, il y aura un écrin pour ranger les 6 médailles qu'on aura tout au long de l'année. Et donc les autres mangas, ce sera Fry Run, Lovecraft, Jujutsu Kaisen, Akane Banashi et la dernière que j'ai oubliée vraisemblablement. Je suis désolé, je vous la retrouverai, de toute façon je vous mettrai une image je pense de l'offre etc. En tout cas des médailles qui sont très qualitatives pardon, et très jolies. Ça va très bien avec le tome et donc ça fait très plaisir. On continue avec les suites, le tome 18 de Blue Lock qui était très sympa. Là on a changé d'arc pour ceux qui suivent Blue Lock. Le tome 17 mettait fin à un match très important. Là on entre dans la phase 2 du Blue Lock. Je vais pas en révéler plus, en tout cas c'est un tome qui est très intéressant, les dessins sont toujours aussi incroyables, le scénario toujours aussi cool, surtout qu'on a le retour d'un personnage qu'on n'avait pas vu depuis un moment dans ce tome là et qui a pris du flow de zinzin. Donc je ne dévoile pas plus, de toute façon ceux qui sont à jour doivent savoir à peu près de qui je parle parce qu'on nous l'a teasé en fin de tome 17. Donc voilà, un tome qui était vraiment très cool et ça fait plaisir. Maintenant on va parler d'un de mes auteurs préférés, et si vous suivez un petit peu la chaîne vous aurez peut-être deviné, je parle de Muneyuki Kaneshiro avec On l'a fait et son tome 6. Toujours aussi qualitatif, l'édition, on a les reliefs et tout, c'est vraiment cool. J'ai pas encore lu le manga, c'est en 9 tomes, donc j'attends d'avoir les 9 tomes, ou pas, parce que ça commence à être un peu long à sortir. Peut-être que je vais pas tarder à me les faire, si le cœur m'en dit, parce que apparemment c'est une dinguerie, ce qui me surprend pas, parce que l'auteur est vraiment très très cool, j'ai toutes ses œuvres à jour. Donc, très hâte de me le faire, et vraiment, ça a l'air d'être incroyable, je vous le conseille d'ores et déjà. On passe maintenant aux nouveautés avec un tome qui est sorti fin janvier mais j'avais pas réussi à me le procurer à temps pour l'épisode de l'achat manga. C'est un auteur que vous connaissez sans doute tous, il était présent au festival de la BD à Angoulême. Je veux parler bien sûr de Shinichi Sakamoto et donc de DRCL. DRCL c'était très surprenant, ça m'a beaucoup plu. C'est le premier manga que je lis de Shinichi Sakamoto. Et forcément j'ai encore plus envie de découvrir l'auteur, notamment avec Innocent, parce que ça se rapproche quand même pas mal niveau dessin je pense de DRCL, là où Ascension ça fait un peu plus shonen. Dans tous les cas je pense que Innocent comme Ascension je vais me les faire, mais peut-être pas tout de suite. En tout cas DRCL, bonne surprise, je savais pas trop où j'allais mettre les pieds, et au final j'avoue que c'était assez cool, j'ai pas tout compris, je vais pas vous mentir. On a un lien un peu bizarre avec Dracula, DRCL c'est pour Dracula. En tout cas, c'est une histoire qui, je pense, va être vraiment très intéressante. On aura peut-être plus d'éléments de réponse aux questions qu'on a là-dedans au fil des tomes. En tout cas, vraiment très cool. Et si vous aimez le conte de Dracula ou que vous aimez l'auteur, franchement, foncez dans cette idée, vous ne serez pas déçus. On enchaîne avec une autre nouveauté qui est sortie au mois de février. Un manga qui est terminé en 11 tomes, je parle de Land. On va avoir un manga tous les mois et ça fait vraiment plaisir. Ça veut dire que l'année, enfin fin 2024, on aura fini le manga. Donc ça c'est plutôt cool, c'est un manga qui est très épais, je ne l'ai pas encore lu par contre, j'en ai fait l'acquisition il y a encore quelques jours, donc voilà. Cependant, le fait d'avoir l'histoire complète en un an, ça fait vraiment plaisir, parce que franchement un tome par mois, on ne va pas perdre le fil, donc ça va être très cool, même si ça a l'air très épais. J'en ai entendu beaucoup de bien, donc j'ai très hâte de commencer la lecture. Le prix cependant est un peu cher, je crois que c'est aux alentours des 9-10 euros. Après, vu le pavé que c'est pas surprenant. Franchement, je pense que ça les vaut. L'édition est assez jolie, on a une espèce de papier un peu écartonné. Là, Mangetsu a fait une belle édition, surtout que c'est des couvertures exclusives à la France, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait plaisir. Et puis voilà, très hâte de lire Land et de découvrir l'univers que ça propose. Ensuite, on enchaîne avec un one-shot qui s'intitule « Quand la nuit tombe » de Rige Haruga. Je l'ai pas encore lu, je l'ai acheté récemment.
Ça m'a été conseillé par ma sœur, tout simplement. Donc, j'ai hâte de lire le manga. C'est un synopsis qui me parle plutôt pas mal. Globalement, c'est des amis. Donc, il y a une fille et un garçon qui sont juste là. Et a priori, leurs parents, il se passe des choses un peu étranges. Il y a la mère de la fille qui se fait. Enfin, je sais pas. Il y a des trucs un peu bizarres. C'est une histoire un peu dark. Dans tous les cas, je pense que ça a l'air très très cool. J'ai très hâte de lire. Les dessins ont l'air, ma foi, sympathiques. Je vais pas trop feuilleter pour pas me spoil. En tout cas, je pense que ça peut être un manga qui peut être assez cool. Je vous en reparlerai, je pense, dans une vidéo bilan lecture. Si jamais le tome me plaît, si je vous en parle pas, c'est que c'était pas dingue. En tout cas, voilà, très hâte de découvrir le tome et puis on va se mettre ça de côté. On passe maintenant aux sorties récentes, mais qui sont des rééditions. Le premier, c'est Le Chien Gardien d'Étoiles. Un ouvrage qui, vraiment, je voulais absolument mettre la main dessus. Donc je ne l'ai pas encore lu parce que je l'ai acheté récemment. En tout cas, c'est un manga que je vais lire impatiemment. J'adore les chiens, vraiment. C'est vraiment. J'adore les chiens. En tout cas, c'est une histoire qui a l'air d'être bouleversante. J'en ai entendu beaucoup de bien. Un peu triste parce que quand je suis allé en librairie, eh ben, j'ai pas pu mettre la main dessus tout de suite. Il n'y avait qu'un tome. Et bah, je suis arrivé un peu trop tard. Pourtant, je suis arrivé le jour de la sortie. Peut-être même un petit peu avant, je sais plus. Quoi qu'il arrive, malheureusement, j'ai dû attendre un petit peu. Je l'ai toujours pas lu. Donc là, j'ai lu il y a quelques jours. J'ai très hâte de lire, ça a l'air d'être vraiment un manga super bien, donc je vous en ferai très probablement mon retour lors d'un bilan lecture, et j'ai très hâte de lire Le Chien Gardien d'Étoiles. On continue avec une réédition de deux histoires écrites par Takumi Nagayasu, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de Popoya et de Love Letter, donc là ça réunit deux histoires, normalement si je ne dis pas de bêtises, hop, il n'y a pas de souci. Je ne l'ai pas encore lu, il va falloir absolument que je m'y mette, j'ai beaucoup de lectures ce mois-ci, donc... pas forcément eu le temps. En tout cas, c'est une édition qui est vraiment très très jolie, avec pas mal d'effets de brillance. On a de la texture un petit peu, je sais pas comment le définir, un peu, mais granulée. En tout cas, c'est une édition qui est vraiment très jolie. J'ai très hâte de lire les histoires. Ça a l'air très cool. Les dessins sont très sympas. C'est la première œuvre que j'ai de l'auteur, donc je vais découvrir avec ça. Et j'ai très hâte, tout simplement. Je vous en ferai probablement le retour aussi dans un bilan lecture. On passe maintenant à un manga qui faisait partie de ma vidéo Aidez-moi, j'ai besoin de vous, où vous me conseillez des mangas. Je vous ai présenté des listes de mangas que je souhaitais lire par auteur. Et là, celui dont je vais vous parler fait partie de la liste des mangas de Mio Asano. Donc je vous avais demandé de choisir entre Solanin, Bunny Poon Poon, Dead Dead Demon Destruction et un autre titre, je crois, je sais plus. En tout cas, vous avez été tous unanimes, je crois. Peut-être qu'il y avait un Bunny Poon Poon, mais globalement, vous étiez tous à me dire Solanin. Je l'ai fait, je l'ai lu, on va en reparler dans un bilan lecture le prochain. En tout cas, c'était un manga qui était vraiment excellent. J'avais été déjà beaucoup touché par Errance, qui pour le coup est plus récent, sorti en 2017. Solanin, c'est une réédition, le manga date de 2005, donc c'est assez vieux quand même. J'ai été vraiment très très ému par ce manga, il m'a beaucoup touché. Je pense très probablement que c'est mon one-shot préféré, en tout cas ça fait partie de mes préférés, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vraiment, ça parle de la période dans laquelle je suis actuellement. Donc on va dire début d'adulte où tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie. En tout cas, il y a beaucoup de questionnements qui sont très intelligents. Le scénario est vraiment cool. Ça passe pas grand chose de fou. En fait, ça parle juste de la vie en tant que jeune adulte, mais traité d'une manière que je trouve brillante, en tout cas très touchante. Je vous conseille absolument Solanin. Merci à tous ceux qui me l'avaient recommandé. Je suis très content de l'avoir lu. C'était vraiment un ouvrage qui m'a beaucoup plu. Et je vais très probablement lire beaucoup d'autres Asano par la suite parce que c'est un auteur qui me touche beaucoup. Donc très hâte de lire la suite des Inyo Asano. Et voilà, merci encore pour m'avoir fait découvrir Solanin. Et en parlant de Solanin, il y a un autre manga que j'ai acheté d'Inyo Asano. Il s'agit de La fin du monde avant le lever du jour. Voilà, je voulais pas me tromper sur le titre. Donc voilà, j'en ai fait l'acquisition pareil il y a quelques jours. Je l'ai pas encore lu pour le coup, donc je vous dirai mon avis dans un bilan lecture très probablement. En tout cas, j'ai très hâte de le lire, comme je vous dis, là, Asano, je pense que je vais me faire toutes ses œuvres très rapidement, c'est un mangaka qui me plaît beaucoup. Donc voilà, très hâte de découvrir le manga et je vous ferai mon retour en bilan lecture. Quand on parle d'Asano, il y en a quelques-uns qui le comparent parfois à un autre auteur qui s'appelle Shuzo Oshimi, qui a donc fait Shino ne sait pas dire son nom, et également Alice, Welcome Back Alice, pardon, qui est plus récent, dont j'ai fait la lecture. Et je voulais découvrir un autre manga qui m'a été vraiment très recommandé par mon libraire. Il s'agit de Happiness. J'avais déjà fait l'acquisition pardon, des trois premiers tomes le mois dernier. Ce mois-ci, bam, je complète les éditions. Donc j'ai les 10 tomes de Happiness. Ça va être très prochainement, ça va être ma prochaine lecture, je pense. En tout cas, j'ai très hâte de lire Happiness. J'ai bien aimé les deux mangas que j'avais lus de Shuzo Oshimi. Donc très hâte de découvrir Happiness. Et puis, je vous ferai mon retour également en bilan lecture. Il n'y a pas de souci avec ça. En tout cas, c'est un style graphique qui me parle pas mal. Franchement, ça a l'air très cool.
Donc voilà, on va se mettre ça de côté et je vous ferai mon retour dès que possible. Pour continuer avec les mangas que je complète, il y a Chainsaw Man. Chainsaw Man, j'avais les 4 premiers tomes, puis le tome 7 à 8 que j'avais trouvé d'occasion. Je viens compléter l'édition avec le tome 5 et le tome 6. Donc là, j'ai les 8 premiers tomes, je vais pouvoir me lancer dans la lecture. Petit bémol pour Chainsaw Man, c'est casé en fait, hein, tout simplement. Là, j'ai les 8 premiers tomes en casé, la suite est forcément en Crunchyroll. Et j'aime bien que ma mangathèque soit harmonieuse, donc je pense que je vais malheureusement. Je sais pas comment ça va se passer pour les premiers tomes, mais j'aimerais bien avoir tout en Crunchyroll. Et là, avoir les premiers tomes en casé, ça me fait un peu chier. Donc il y a des chances que je les revende plus tard pour racheter les Crunchyroll. À moins que j'arrive à me trouver les jaquettes seul, un de ces quatre. Je sais pas comment je vais faire parce que Crunchyroll a arrêté de produire les jaquettes seules. Donc bon, je verrai bien. En tout cas, voilà, traite de lire Chainsaw Man quand même. Et ça fait plaisir d'avoir deux tomes en plus dans la collection. Toujours avec les mangas que je complète, j'avais fait l'acquisition du premier tome le mois dernier. Un manga qui est culte, très honnêtement, tout le monde connaît, tout le monde adore. Je parle bien évidemment de Berserk. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris le tome 12 à 5. J'achète un tome à chaque fois que je passe dans ma librairie de façon à me tenir à jour. Bon, du coup, ça bride un petit peu parce que j'ai pas forcément envie de claquer des thunes. Donc j'essaye d'aller un peu moins dans ma librairie. Ce qui est pas plus mal, ça me permet de moins acheter. Ou pas, peut-être pas spécialement, mais en tout cas, voilà. En tout cas, voilà, jusqu'au tome 5 de Berserk et très hâte de commencer la lecture. Je le ferai peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, dès que je le ferai, je vous en ferai le retour dans peut-être même une vidéo spéciale, parce que Berserk, c'est quand même un manga vraiment culte. Et je pense que ça mérite une vidéo à part. Donc voilà, on verra ce que je fais. En tous les cas, voilà, tome 5 de Berserk, très hâte de lire le manga. Allez, il reste plus que deux mangas et pas des moindres. Le prochain, c'est Sunken Rock et son tome 8. Je continue de compléter l'édition. J'ai pas encore commencé le manga, je pense que je commencerai dès que j'aurai tous les tomes pour pas me brider, ou en tout cas vers la fin. Donc il y en a 12, je dis pas de bêtises, 13 peut-être, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a 13, je crois, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, voilà, le tome 8 est là, je complète petit à petit. C'est des mangas qui sont quand même assez chers, hein, ça coûte 20 balles le tome. Donc au global, c'est une édition qui revient quand même à cher, quoi, 13 fois 20. Voilà, je ne fais pas le dessin. En tout cas, voilà, c'est un manga qui a l'air vraiment très très cool. Je continue d'acheter les tomes parce que je sais que le manga va me plaire. Les dessins sont incroyables, Boichi, j'aime beaucoup son style graphique. Donc voilà, très hâte de commencer Sunken Rock et on finit de compléter l'édition petit à petit. Le dernier manga dont je dois vous parler aujourd'hui, que j'ai acheté en tout début de mois, il a failli être dans la vidéo de la vidéo d'avant en fait, parce que j'en ai fait l'acquisition en fin janvier. Il s'agit de Quartier Lointain, un manga de Jirō Taniguchi, un auteur qui a une grande réputation et qui m'intrigue beaucoup. J'ai très hâte de lire le manga. Voilà, c'est un de ces classiques, je pense que globalement, c'est celui que les gens recommandent le plus quand on parle de Jirō Taniguchi. Évidemment, il y a aussi Le Sommet des Dieux et d'autres choses. Mais là, pour le coup, c'est un manga qu'il a fait tout seul, contrairement au Sommet des Dieux. J'ai très hâte de lire. Petit bémol, mon édition, quand je l'ai acheté, donc je l'ai pris sur Vinted, quand je l'ai ouverte, ici, ça a craqué. Le dos n'était pas collé, donc j'ai essayé de réparer. Là, le dos, je l'ai collé normalement avec de la glue, ça a l'air de tenir. Donc tant mieux. Et pareil pour l'avant, c'est craqué ici. Alors je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas si l'édition. Vous voyez pas en fait, hop là, tac. Je sais pas si l'édition de base est comme ça ou pas, ou si la personne qui me l'a vendu en a pas pris soin, enfin je sais pas. En tout cas, toujours est-il que c'était pas cassé quand je l'ai reçu, mais quand j'ai ouvert, vraiment j'ai juste à peine ouvert, j'ai fait ça, j'ai entendu clic-clic. C'est un petit craquement, je me suis dit, oula, ça c'est pas bon. Et j'ai ouvert et ouais, effectivement. Alors, la colle est très dure et très rigide. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, en tout cas, un peu déçu pour Quartier Lointain. C'est un manga que je trouve très beau et que j'ai très hâte de lire. J'aime bien avoir mes mangas dans un état parfait. C'est un peu dommage. Néanmoins, c'est pas très grave. Peut-être qu'un jour, j'en rachèterai un. Bon, je pense pas. Je pense qu'en vrai, ça fait l'affaire. Peut-être que je le réparerai plutôt si jamais j'y arrive. En tout cas, voilà, j'ai très hâte de lire le manga. Jirō Taniguchi, un auteur de renom que j'ai très hâte de découvrir. Et je pense qu'on en a fini pour la vidéo. Pas mal d'achats ce mois-ci quand même. Beaucoup de gros tomes quoi. Enfin en fait, souvent des one-shots. Pas mal de one-shots en fait ouais ce mois-ci. Hein. Il y a quelques trucs que j'ai complétés, mais globalement c'était plutôt des découvertes. Donc voilà, en tout cas c'est un manga qui c'est un mois qui a été riche en achats. C'était des gros tomes, donc ça coûte cher. Donc voilà. En tout cas voilà. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit like, l'abonnement, le partage, tout ça. Vous connaissez la chanson. En attendant, moi je vous dis à la prochaine, probablement pour un bilan lecture. C'était Asato. Ciao!